Les élections à la Fédération ivoirienne de football ont lieu ce samedi 23 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. 81 membres actifs composant le collège des votants ont exprimé leur choix pour élire le nouveau président de la FIF ainsi que le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et conformité. Lire aussi Sport en Côte d'Ivoire élection à la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, décryptage du critère d'intégrité après quelques heures de flou, la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, a tenu son assemblée générale élective, ce samedi 23 avril 2022, à laquelle ont pris part des délégués de la Ligue 1, de la Ligue 2, la Ligue 3 et les groupements d'intérêt. Le résultat des urnes, ce sont en tout 81 membres qui se sont exprimés pour élire le nouveau président de la FIF, le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et conformité. Pour la présidence de la FIF, 3 candidats sont en lice pour succéder à Feu Sidi Diallo. Des résultats qui envoient Sori Diabaté, 50 voix, et Yassine Idriss Diallo, 59 voix, au second tour éliminant dans le même temps, Didier Drogheba, 21 voix. Il s'agit de l'ex-international ivoirien Didier Drogheba, de l'ancien vice-président de la FIF, Sori Diabaté, et d'Idriss Diallo. Le dépouillement a pris fin à 19h30. Au niveau de la Ligue 1, Yassine Idriss Diallo a obtenu 27 voix, Didier Drogheba, 3 voix et Sori Diabaté, 9 voix. Au niveau la Division 3, Yassine Idriss Diallo, 11 voix, Didier Drogheba, 9 voix et Sori Diabaté, 18 voix. Lire aussi Côte d'Ivoire / élection FIF, voici la liste des 81 membres actifs composant le collège des votants en ce qui concerne la Ligue 2, Yassine Idriss Diallo a obtenu 18 voix, Didier Drogheba, 8 voix et Sori Diabaté, 22 voix. Des résultats qui envoient Sori Diabaté, 50 voix, et Yassine Idriss Diallo, 59 voix, au second tour éliminant dans le même temps, Didier Drogheba, 21 voix.